premier passage difficile avec des passages à 15-16%. Une très belle côte. Donc en plus de cette côte, le jour du Tour de France, s'il y a du soleil, il va faire très très chaud pour les coureurs parce qu'il n'y a vraiment pas d'air. Nous arrivons au pied de la deuxième difficulté, la côte de Champillon. Les pourcentages sont pas hyper importants. Nous sommes à 3% de moyenne. Et plus on va monter, plus les pourcentages sont pentus. Arrivons dans le village de Champillon. Et ça va être plus difficile dans le village, au pied de cette bosse. Nous sommes à 16 km de l'arrivée, la côte de Lutigny qui peut être juste de paix de cette étape qui arrive à Épernay avec des passages à 18% dans cette montée et une petite route. Et voilà, nous sommes dedans et tout de suite des pourcentages impressionnants, 15% de moyenne. Belle côte à travers le vignoble et là nous sommes à 4-5 km de l'arrivée avec un revêtement qui est assez compliqué, un revêtement en ciment à travers les vignes.